coup, il y a deux genres de musique, voyez-vous. Celle qu'on écoute et celle qu'on n'écoute pas. Bien évidemment que Mozart fait partie de celle qu'on écoute, surtout quand on pense aux droits d'auteur gigantesques qu'il aurait maintenant le faux. Celle qu'on n'écoute pas, il faut bien le dire, c'est la musique moderne, dite sérieuse. Tu ne peux pas entrer deux chats dans la salle. En revanche, et au fond, simplement basée sur les harmonies de Mozart, on entend un peu Mozart à travers elle. Quand on écoute Dario Moreno ou les Beatles ou les Rolling ou je ne sais pas quoi, c'est fondé sur les harmonies de Mozart, alors que la musique moderne dite sérieuse, on la cherche chez d'autres. Et résultat, c'est probablement dans l'histoire de l'art le plus énorme échec qu'on ait jamais eu. Donc je reprends la sonate parce que ça vous emmerde. Non, d'ailleurs, je recommence. Je recommence, c'est mieux. Extraordinaire, c'est pour vous penser que ce malheureux est mort, jeté à la fosse commune comme un chien. C'est quand même triste quand je pense à cette tendresse mélodique. Notez qu'il y avait tout Vienne, heureusement, à son enterrement. Ils ont tous été chassés par une tempête de neige. Enfin, c'était des chiens qui n'avaient aucune reconnaissance. Excusez-moi, je continue. Où est-ce que j'en étais, ma petite? Non, pas là. Là. Il faudrait savoir.